Charlotte Onkelinx a été pendant 7 ans la ministre de la Santé publique. Quel est son bilan final? Le journal du médecin télévision a demandé l'analyse du professeur Jacques Brocchi, sénateur pour le MR. Autre situation tout à fait anormale, c'est l'absence d'un cadastre de l'activité des médecins. Je le réclame, moi, depuis plus de 7 ans, et en tout cas, depuis que Mme Onkelinx est là il y a 7 ans, chaque année, elle entend que je reviens avec la même question. Alors, elle nous a sorti un cadastre de l'activité des médecins généralistes. Mais nous n'avons toujours pas un cadastre de l'activité des médecins spécialistes. Alors, on discute. Y a-t-il pénurie? Y a-t-il pléthore? Dans certaines disciplines, on nous annonce qu'il en manque, que ce soit la médecine d'urgence, la médecine gériatrique, etc. Bon. J'aimerais avoir des chiffres. Et parallèlement à cela, donc on nous dit qu'il y a pénurie et on n'accorde pas des numéros INAMI à nos jeunes qui terminent les études. C'est un autre volet, mais qui témoigne de l'absence de cohérence entre les ministres socialistes. D'un côté, la ministre de la Santé et d'un autre côté, du côté francophone, le ministre responsable de l'enseignement supérieur, M. Marcoux, responsable des études universitaires. Et d'après les chiffres que nous avons, eh bien, il y aura plus de 1000 et probablement 1200, 1300 médecins qui vont être diplômés en 2018 et qui ne pourront pas exercer faute de numéro INAMI. Mais c'est un hold-up, c'est un attrape-nigaud pour les jeunes. Ce n'est pas possible. On leur ment. Je n'arrête pas de le dénoncer. Et malheureusement, ça ne bouge pas. L'idéal serait, non pas évidemment de former une multitude de médecins, mais de former le nombre de médecins dont nous avons réellement besoin. Et tant que nous n'avons pas de cadastre de l'activité, mais nous parlons en l'air, nous ne pouvons pas dire de combien nous aurons besoin. Alors les étudiants sont allés conscients, les étudiants qui aujourd'hui sont en troisième bac, en premier master, sont conscients qu'ils vont se retrouver avec un diplôme et ne pourront pas exercer le métier qui est leur vocation. Ils sont donc allés manifester, comme vous le savez, il y a quelques semaines devant chez Mme Onkelinx. Elle les a reçus. Elle leur a signé un papier sur lequel elle s'engage à ce qu'en 2020, ils auront tous un numéro INAMI. Mais, je dirais, quel mensonge! Comment peut-elle s'engager pour quelque chose en 2020, quand nous sommes en 2014, que nous allons avoir des élections le 25 mai, qu'elle ne sait pas si elle sera encore ministre, et surtout si elle sera encore ministre de la Santé en 2020? Elle ne peut pas engager comme cela une décision en 2020, c'est de la poudre aux yeux. Et ça, ce sont des choses que je lui reproche. Alors, au niveau des maladies, je voudrais également ajouter un mot. Au niveau des maladies, je suis vraiment attristé du manque de cohérence, du manque de cohésion, du manque de dialogue entre les ministres socialistes responsables de la santé. Madame Onkelinx, Madame Lanan, Madame Tillieu. Notamment pour le plan hépatite C. Nous savons qu'il y a chaque année 550 malades qui meurent d'hépatite C. Il y a un plan hépatite C qui est prévu. Ce plan devait être approuvé en conseil interministériel des ministres de la Santé au mois de février. Cela a bloqué. De la faute, paraît-il, je n'étais pas là, donc je dis bien paraît-il, puisque je n'étais pas présent. C'était les ministres qui étaient de la Santé, des entités fédérées et des régions et des communautés qui étaient réunies avec Mme Onkelinx, paraît-il que ça a bloqué de la part de ministres régionaux et communautaires francophones. Mais elle a, j'espère et je suppose, quand même une influence en tant que ministre fédéral. Ils ont décidé de ne pas décider, alors que nous avons un traitement qui aujourd'hui peut guérir plus de 90% de malades atteints d'hépatite C, à la condition évidemment de ne pas donner ce traitement la veille du décès, de le donner à temps.
Donc il faut mettre en place, d'une part, un système de prise en charge des soins et de remboursement pour ces nouvelles molécules, et parallèlement à cela, une politique de dépistage, de prévention, de manière à ce qu'on puisse traiter efficacement et guérir ces patients au début de la maladie. Et tout ça s'est évaporé. S'est évaporé. On nous a dit qu'il y aurait probablement un autre conseil des ministres, une autre réunion interministérielle en octobre, après les élections. Mais enfin, quelle hypocrisie. Alors je me suis fâché. Je me suis fâché au niveau des parlements. Et c'est vrai que si on remet la décision à 6 mois, eh bien ça fait 250 malades décédés. Et j'ai bien dit, vous aurez sur la conscience ces décès. Je n'étais pas content, évidemment, les ministres à qui j'ai dit cela. Mais c'est la vérité. Donc ils ont décidé d'avancer. Madame Onkeling s'est annoncé qu'elle avançait cette décision à la fin du mois de mars. Mais je n'en connais pas les résultats. Nous n'avons pas eu d'écho et je ne sais pas. Donc je suis fort déçu de cette attitude.